Je suis Marie-Hélène Mardi-Turilly, j'ai 59 ans, je suis ouvrière agricole sur une plantation de bananes depuis près de 30 ans. Je suis candidate combat ouvrier, lutte ouvrière, à l'élection législative du 11 juin dans la première circonscription. Mon remplaçant, Steve Ciseaux, un jeune travailleur de 27 ans dans la restauration rapide. Je suis militante syndicale depuis de longues années. Dans ces élections, nous dénoncerons les attaques contre les pauvres et les travailleurs, notamment la réforme des retraites et l'allongement de la durée de cotisation. Parce que, en Martinique, 35% des salariés de plus de 50 ans sont au chômage. En Martinique, nous subissons le capitalisme sous sa forme la plus hideuse. Les descendants de colons ont toujours la propriété foncière. Ces personnes pratiquent avec les aides de l'État une politique de monoculture qui a provoqué sur des dizaines d'années la disparition de la production agricole traditionnelle. Ce système entretient un chômage endémique et des bas salaires pour ceux qui travaillent. Tout ceci s'ajoute à un contexte de crise économique, climatique et sanitaire avec l'empoisonnement au chlordécone et aux pesticides. Pour faire échec à tout cela, ni un, ni deux, ni trois, ni quatre députés ne suffiront. Votez pour nous, candidats, combat ouvrier, lutte ouvrière. C'est appeler les travailleurs à renouer avec les luttes collectives et massives pour de meilleures conditions de vie et pour le renversement de cette société capitaliste qui nous mène à la catastrophe.